Naam. Voilà le problème, maman. Pourquoi? C'est pas juste que la nuit, tu regardes la petite télévision et que nous, on ne tient rien. Mais vous, vous êtes des élèves. Est-ce que tu nous filmes là? Non, tu dois manger. Hein? Celle qui ne mange pas, elle ne sort pas avec moi, ok? Je ne peux pas. On est déjà en train de manger. Oui, vous avez envie de manger, mais il faut bien manger. Hein. T'as dit que mes abdos ont fait quoi déjà en passant? Hein? T'as dit que je dois faire le sport? Ouais. Pourquoi? Le matin. Pourquoi? Parce que tes abdos sont partis. Et qu'est-ce que je dois faire? Hein? Enlève ça là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Lâche comme ça. Pose ça à l'autre côté. C'est mieux. Qu'est-ce que je fais, ce que je fasse? Mais je fais le sport. Hein? Je fais le sport. Mais pourquoi je ne te vois pas faire le sport? Mais quand tu es parti au Togo, tu as fait le sport. Hein? Oui, et j'ai même nagé, t'as vu? J'ai pas vu cette partie-là. On vit nager. Allez, prophète Kamto. Tu vas aller où? À la piscine de l'hôtel. C'était ton nouveau sport là-bas. Si vous ne finissez pas le couscous, vous ne sortez pas avec moi. Je ne peux pas rien. La sauce est déjà finie. La sauce? Mais vous voulez qu'on vous ajoute la sauce ou bien ça va? Non, ça va. Et t'as dit que mes abdos ont quoi? Mais ils sont partis. Tu mes abdos ont fait quoi? Ils sont partis. Partis où? Ils sont partis. Ah. Ils se sont effacés. Et qu'est-ce que vous faites pour que mes abdos reviennent? Quoi? Il faut faire quoi pour que mes abdos reviennent? Je vais laisser le sport. Je vais mais t'es en vacances, normalement, tu devais m'aider à faire le sport. Hein? Mais pourquoi tu ne m'aides pas pourtant que tu es en vacances? Parce que... Je veux pas. Pourquoi? Parce que le matin, tu dors trop. Ah non, c'est pas vrai. C'est toi qui dors tout le matin. Quand je me réveille, toi, tu dors toujours. Tu vois, c'est pour ça que quand je voyage parfois, tu sais même pas que je voyageais parce que tu dors. Mais quand tu ne voyages pas, tu dors trop. Non. Je me réveille toujours avant toi. Non. Oui? Non. Ah oui? Ah, ça, c'est mémé qui me fait. Mémé fait quoi? Je te réveille toujours avant moi. Mais, je me réveille avant toi. Mais non, papa. Comment tu veux dire, hein? Ben, c'est vrai. Moi, je dors un peu. Je me réveille. Et toi, tu dors? Jusqu'à 10h du matin. Non. Oui. Papa. L'autre jour, la nuit, je sais pas que quand tu avais du retard à faire, un jour, tu peux réveiller avant moi la nuit. Hein. Oui, on est. Fallait voir ma mamie. Après, je me suis réveillée. Vous allez vous trouver au salon. Moi, je dors, et je me réveille très tôt. Okay. C'est moi qui se réveille avant toi. Demi, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est non. Papa. On va voir Abdama. Elle ne dort pas trop. Ta fille, elle dort partout. Ok. On verra ça demain. Parce que demain, tu vas voir. Demain? Si je me réveille avant toi demain, tu vas me payer. On fait un pari. Si je me réveille avec toi demain, tu vas me donner toute la maison. D'accord. Et si moi je me réveille avant toi demain, tu m'achètes un gros paquet de chocolat. Avec ton argent, pas avec mon argent, avec ton argent. Et si tu me réveilles avec
demain. Si tu quoi? Si je me réveille avant toi demain. Je te donne toute la maison. Tu vas me donner toutes tes choses. Oui, toute la maison. D'accord. Là, vous avez mangé, c'est bien. Il reste encore un peu, finissez le couscous et on part. Mmh. Mangez le poisson il a la vitamine D, ok? Le poisson a la vitamine D. Le poulet, lui, il est riche en protéines. Il est riche en quoi? En protéines. Ouais, en protéines, non. C'est pour ça que moi, je dois avoir des forces. Ouais. Mariam, toi, tu aimes le poulet ou bien tu aimes le poisson? Poisson. Tu vois, Mariam, elle est concentrée, elle mange. Et vous devez prendre des kilos, ok? Papa, mmh? C'est le poisson que je mange, ça. Waouh, mais fais attention aux arrêts. C'est un poisson qui a trop d'arrêts. Hein? C'est des poissons cellules, hein? Oui, c'est le cellule. Avec beaucoup d'arrêts, hein? Tu te souviens une fois à Douala, tu avais avalé l'arrêt la nuit. On t'a amené à l'hôpital la nuit pour faire sortir l'arrêt. Tu te souviens? On va cousu le ventre. Ah non, Jamie. On va opérer. Non. On a passé la main dans ta gorge. Comme ça, on a retiré l'arrêt de ta gorge. Est-ce que la gorge est loin de la bouche? Mmh, ouais, un peu. Et t'as pleuré, hein? J'ai pleuré. Oui. Depuis que t'as payé une balle jusqu'à la gorge. Oui, c'était la main d'un adulte. J'ai encore avalé l'arrêt. Papa habitait à l'hôpital, mais j'ai bu l'eau. J'ai mangé le plateau de ta fille. Mmh. C'est parti. Maria, est-ce que toi, déjà avalé l'arrêt? Jamais. Toi, tu es sage. Les légumes, là, tu as trouvé ça comment? C'est comment? Mais vieux, moi, défi à Colo. Moi, je cuisine maintenant de l'eau. Papa? Mmh. Ah, mais il y a mon... Ah, papa. Hmm? Moi, je n'étais pas là à regarder Masterchef. T'as regardé Masterchef? Ouais. C'est quoi Masterchef? Masterchef, c'est un concours de cuisine. Mm-hmm. On fait quoi, là? Il y a des chefs qui décident la nourriture. Mm-hmm. Alors, si alors, t'as fait le chef, mm-hmm. Moi, je suis Masterchef. Mm-hmm. Si alors, tu vois mon plat, et quand mm-hmm. Tu dis que c'est terrible, c'est que c'est terrible. Mmh. Et je pars. Ah, pourquoi? Mais c'est comme ça, les Masterchef. Mais si je suis ton père, tu ne dis pas que mon plat, il est terrible. Hein? Tu dis simplement qu'il est bon. Pour qu'on ne chasse pas ton père. Là, ton père, il reste, hein, tu vois. Ouais. Ouais. Et tu dis aussi à Mariam, tu lui fais un clin d'œil. Hein? Tu dis, ah, mais Mariam, tu vois, ça, c'est papa. Et oui, tu vas clin, 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 clin. Et vous, même si la sauce n'est pas bonne, vous dites, c'est bon. Et là, on ne fera pas partie. Ok? Ouais. Même si le couscous n'est pas bon. Hein? Même si le couscous n'est pas bon. Ok, c'est bon, vous avez bien mangé. Alors, bon, maintenant, écoutez, on reprend le sport. Demain, tout le monde reprend le sport, ok? Le matin, je vous réveille, on va faire le sport. Mais papa, la gym, c'est aussi comme le sport. Oui, la gym, c'est un grand sport. Et vous savez, quand j'étais jeune enfant, j'étais très fort en gym. Hein? Et donc, tu faisais des sports? Ah, extraordinaire. Je faisais des saltos, comment on appelle ça, des péroulots, tu vois. Et la gym, en fait, j'étais très fort. Dans la vie d'enfance, oui. Il faisait plus que toi. Oui, il faisait plus que moi, il était plus fort que moi. Parce que là, il faisait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Oui. Mais, parce que là, il tournait en l'air. Ouais, ouais. On appelle ça le salto. Tu connais le salto? Et ça, je ne peux pas faire. Je peux seulement tourner en l'air. Mais vous connaissez faire le grand écart. Et lui, t'as vu? Il aussi faire. Ah non, nos tendons étaient durs déjà, tu vois. Et Mariam, elle fait aussi très, très bien le grand écart. Hein? Moi aussi. Oui. Mariam fait encore le grand écart, on voit. Doucement. Waouh! T'as vu ça? Oh, parfait!
Vous êtes des grandes sportives. Bâton d'écart. De quoi? Bâton d'écart. C'est quoi le bâton d'écart? Ben, quand on fait le d'écart en bâton. En bâton? Oui. Fais voir, c'est comment ça? Tu vois, les pieds sont comme ça. Et tu fais comme ça. Waouh! C'est extraordinaire. Madame, qui t'a appris le grand écart? Hein? Hé! Hey, je connais qui l'a appris. Qui? Parce que tu sais que mamie connaissait faire le grand écart. Oh! Mais c'est vrai! Mais si, c'est vrai! Non? Si, c'est vrai! Et qui t'a dit ça? C'est mémé qui t'a dit ça? Non. Tu dis que mémé connaissait faire, elle savait faire le grand écart? Oui. Mémé, mamie c'est qui? Mamie c'est notre grand soeur. Ah oui, mamie, oui. Oui, oh. C'est triste, mamie, elle est partie. Hein. Parce que moi j'ai trop la farine. Ah non. Merci. Je sais pas, ça c'était une erreur médicale. Le docteur a mal pris soin d'elle. Le docteur ne connaissait pas faire son travail. Elle est partie pour un palu, on l'a opéré et ils ont coupé une partie de son corps qu'il ne fallait pas couper. Elle est morte. Il faut savoir ça, ok? C'est pas qu'elle mangeait trop de farine. Le docteur, c'était le docteur, il était un faux docteur en fait. Voilà. Mais mangeait aussi trop les plantes, papa. Mais est-ce que tu étais là? Voilà. Ok. Ah, mais c'est gros le morceau de viande. Est-ce que tu vas finir ça? Ok. Tu veux miam miam? Ah non, je veux pas. Ma part me dépasse ici, chérie. Ok, d'accord, les filles. Vous préparez alors. On vous lave les mains rapidement et on y va. Vite.